Je crois que tout le monde l'a vu aujourd'hui, le match il a duré 30 minutes. Voilà. Donc après, on a fait ce qu'on a pu. Mais aujourd'hui, il y a des décisions arbitrales qui font que notre travail est remis en question, notre travail est bafoué et les matchs se terminent plutôt que prévu. C'est ce qui s'est passé ce soir. Maintenant, il faut l'accepter parce que ça fait partie du métier. Mais franchement, si on commence à mettre des cartons rouges sur des gestes techniques comme a voulu faire Richard Souma en lobant l'adversaire, je ne comprends pas du tout la raison de cette décision parce que c'est un geste technique offensif. Il n'y a aucun moment désir de... D'ailleurs, il ne l'a même pas vu, le joueur, donc je ne comprends pas. Bon, lui, l'arbitre à la mi-temps, je suis quand même allé lui demander des explications et il n'a pas été capable de m'en donner. Et le banc adverse, vous savez, à un moment donné, quand le banc adverse reconnaît effectivement que c'est une injustice, je crois que voilà, ça parle de... De lui-même. Derrière aussi, nous, on a, voilà, c'est un club, c'est un staff qui travaille, c'est des joueurs qui travaillent, et le match, il s'arrête là, quoi. Alors, on l'aurait perdu 3-0 à 11 contre 11, ça nous est déjà arrivé de perdre, il n'y a pas de souci, et récemment et souvent. Mais là, comment, moi, je comprends pas. Donc.